Salut Alex. J'attends juste que Nico se connecte. S'il veut bien. Je suis désolée Fred, je peux pas faire avec vous. J'attends Nicolas Lemoine. Nico, prends ton temps, hein. Franchement, on n'est pas pressé, quoi. Salut Jules, salut Gwen. Putain, y a plus de gens que. Salut Martin, il y a plus de gens que. que quand il y a personne. En fait, je devrais faire un petit live solo. Non, je rigole. Ça va, Idriss, et toi? Pas entraînement ce matin, grasse matinée. J'ai l'impression que c'est mon live, en fait. Nico. Bon bah en attendant que Nico se connecte, je peux répondre à vos questions si vous voulez. Nico il est où? Je sais pas, tu veux pas lui mettre un message Idriss s'il te plaît parce que je peux pas quitter le live. Salut Doc17, c'est sûrement papa ça. Bon, que fait le Monégasque? Ben c'est une très bonne question. Je l'attends également. Merci Idriss. Ingérable. Suis désolée à tous les gens qui espéraient voir Nico. Je l'attends encore. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est bien, il y a la team Monaco, vous êtes connectés là. Vous allez voir si l'entraîneur y parle mal de vous ou pas. Ah, possible ça, Jules, possible. C'est pas sérieux. Ah, je suis d'accord, Brian, c'est pas sérieux du tout. Hein. Mon prochain meet, c'est samedi prochain. Il voit pas le live. Mais est-ce qu'il est abonné à Lyon Plongeon, ce petit Nico? Non mais Coralie, là, franchement, vous devriez lui faire faire quelque chose demain à l'entraînement, Nico. Ah. Idriss, tu peux lui dire qu'il faut sûrement qu'il s'abonne à Lyon Plongeon. Ça peut être bien. Ouais, Nico! Je viens de t'envoyer une demande. Je suis. Oh! Connexion en cours. T'as pas le wifi à Monaco, Nico, ou quoi? Je rêve, Nicolas Lemoine a refusé. C'est une blague. Nico, tu me fatigues, je suis en train de me ridiculiser pour toi, là. Merci! Hello, hello, hello. Comment ça va? Va et toi? Bah ça va, hein, ça va. Désolé hein, pour le retard, mais j'avoue que je voyais pas la demande et tout. T'inquiète, c'est pas grave. Sympa la coupe de cheveux. Ouais, elle est pas mal, hein, j'aime bien, j'aime bien. Là, c'est la première fois que je fais les deux côtés. D'habitude d'aller au centre, mais là, elle est bien Ok. là. J'ai dit à tes plongeurs qu'ils doivent te trouver un truc à faire demain pour ton retard, pour faire pardonner ton retard. Mais ouais, mais là ça va être compliqué. Je suis en cas contact et du coup bah pas d'entraînement demain, donc.
C'est chaud. C'est chaud. Il n'y a pas d'entraînement là, au moins jusqu'à mercredi, donc. Ok. Et là, ça se fout de ta gueule, hein. Il est jamais. Ouais, je sais, mais. Mais elles sont très bien, mes couettes. Moi, j'aime bien, j'assume. C'est bien. J'aime bien. Bon, allez, c'est bon, je peux commencer à te poser tes questions, t'es Ouais, prêt? ça va, on va dire. Hein. Ok. On va De dire que je suis prêt. toute façon, toujours prêt. Bon, Nico, merci déjà d'avoir accepté ma petite invitation et tout. Ça fait plaisir. Ah, merci à toi, merci à toi. du coup, avant que tu fasses du plongeon, t'as fait du trampoline? T'en as fait pendant combien de temps et à quel âge? Enfin, t'en as pas fait, je sais pas si t'en as fait longtemps, mais. Enfin, du trampo, j'ai commencé un peu après le plongeon. J'ai commencé par la baby gym au départ. Baby gym, et après, j'ai commencé le plongeon à 6 ans. Et après un an de plongeon, j'ai fait du trampo. Trampo, j'ai fait 4 ans peut-être. Et quand tu faisais du Voilà. trampo, tu continuais le plongeon ou tu t'avais arrêté le plongeon et tu faisais que du trampo? Non, je faisais les deux. Je faisais les deux. Disons que j'étais un peu hyperactif et il me fallait du sport. J'ai fait plongeon, trampo, hockey et un autre en même temps, je sais plus. Enfin, je tournais à quatre sports dans la semaine. C'était pas mal. Bah, au moins t'étais occupé, hein. Ouais. Et le Ah, ça plongeon? avait jamais tourné. Ouais. T'as Quoi? commencé à Lussol le plongeon? Ouais, à la création de Lussol, c'était en 2000, 2002. Si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'était 2002. Donc ouais, je devais avoir 6 ans. 6 ans, j'ai fait 3 ans pour un peu m'amuser et tout. Et puis après, bah, j'ai eu l'opportunité de faire les championnats de France et tout. C'était pas mal. C'est bien. Voilà. C'est quoi, c'est lesquelles t'es la piscine que t'as préférée pour les championnats de France? Personnellement, moi, c'est Ah Marseille. bah c'était la ouais bah c'était la première fois, c'était Marseille hein. Marseille, c'était trop bien, c'était en extérieur, il faisait tout le temps ciel bleu. Puis il y a Ouais. les calanques qui sont pas loin. C'est Ça ça. c'était vraiment bien. Ah, je t'entends même plus, je t'entends même plus, Caro. Tu m'entends là? Ouais, là ça y est. Okay. Bon, je pense que l'oxygène était bonne. Ok. Et donc du coup, bon, t'étais à Lussol et tout, et après t'es parti au Krebs à Strasbourg. T'as fait. Ouais, alors ça c'était en 2010. De quoi? Vas-y, raconte ton expérience Ah là-dessus. ouais. Non, ça c'était en 2010. Et écoute, en fait, ça s'est passé pendant la Toussaint en 2009. En fait, j'avais pas de stage dans mon club à Lussol. Et du coup, bah, je cherchais absolument à plonger, plonger, plonger. J'avais demandé à Lyon, mais ils pouvaient pas, je sais plus. Enfin, j'avais envoyé un peu de messages de partout. Et à Strasbourg, on m'avait dit, ouais, bah, viens, viens t'entraîner et tout, ça peut être cool. Donc, bah, du jour au lendemain, j'ai demandé à ma mère qu'elle m'emmène là-haut. On allait s'entraîner pendant une semaine ou deux, je sais plus. Et à la fin du stage, on m'a dit, bah, écoute, l'année prochaine, on monte un sport-études, ici, donc si t'as envie, il y a tous les moyens, il y a l'internat, il y a l'école, il y a la piscine, donc voilà, si t'as envie de, on te propose le projet, bah tu peux venir, donc voilà, moi j'ai foncé, Ok, j'ai et foncé, et bah, c'était pas mal. bien, t'as progressé super vite et tout. Je pense qu'en plus, d'être dans un environnement avec d'autres plongeurs, c'est bien aussi, quoi. Ça t'aide à progresser. Ouais, bah des plongeurs un peu plus, enfin pas. Enfin, un peu plus motivé par les compétitions et tout. C'est sûr, ouais, ça tire toujours plus vers le haut. Et puis j'ai pris conscience aussi de. Je plongeais plus trop juste pour plonger, tu vois. Je plongeais pour essayer de faire quelque chose de mieux et voilà quoi. Histoire de se faire un peu plus plaisir. Ouais, bah c'est bien. Et du coup, Ouais, après, non. équipe de France, fait un peu d'être en équipe de France, voyager et puis plonger à l'étranger. Ouais, bah ouais, écoute, ça c'est pas mal, ça m'est tombé dessus un peu tôt, je crois que c'était 2008, et écoute, non, c'est pas mal de voyages, pas mal de rencontres, tu vois des niveaux différents, des entraînements différents, enfin c'est vachement enrichissant, et ouais, là c'est un peu le contraste avec le Covid en ce moment, là on voyage Ouais. plus trop, tout le temps là, mais bon, tant pis, ça reviendra un jour, je pense. Ouais. Et du coup, tu dirais que c'est quoi ton meilleur souvenir en plongeon? Et après, on a une demande de Thierry Pardin, ton meilleur souvenir avec Lussol. Ah bah ouais, je crois que c'est les mêmes, hein. Je crois que c'est les mêmes, hein. Mon meilleur souvenir en plongeon, je crois que c'est les championnats de France à Marseille, hein. Il n'y avait rien de mieux.
Soleil toute la journée, fin des compétitions au Calanque, petit resto après, on était tous en groupe et tout, on faisait des jeux le soir. C'était vraiment pas mal. Franchement, c'est, j'en garde des souvenirs plein la tête, c'était magnifique. Puis on l'a pas fait qu'une année, quoi. On l'a fait sur peut-être 3 ans d'affilée, donc c'était vraiment bien. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit trou au fond de la piscine et qu'on se fasse. Ouais. Bah là, ouais, elle est trop en état, la piscine, elle est toute taguée, il y a un arbre au fond de la fosse. Tout va Compète bien. inter que tu as préférée. ma compète inter, je sais pas, parce que il y en a beaucoup. Après, celle qui était le plus marquante, je pense, c'était les championnats d'Europe. Championnat d'Europe, le souvenir qui m'a le plus marqué, c'était en Pologne. À 1 mètre, j'ai loupé la finale pour 0,05 points. Donc, c'est vraiment rien du tout. Mais bon, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué, quoi. Ouais. Mais est-ce que après ça t'a aussi encouragé, tu vois, à continuer et à t'entraîner? Ouais, ça m'a motivé pendant au moins 1 an. Et après, ouais, j'ai un petit peu décidé de mettre tout ça de côté et de me recentrer un peu plus sur moi-même, quoi. Parce que je partais un petit peu dans le mur, j'avais plus trop de, enfin, j'allais plus à l'école et tout ça, je m'étais consacré qu'au plongeon, donc je voulais, comment dire, repasser des diplômes et tout le tralala pour assurer un petit avenir, quoi. Ouais, là en plus bah t'as passé du coup des diplômes, maintenant t'entraînes. D'abord t'as fait Vonu et Lyon Plongeon. Bah écoute, j'ai dû perdre pas mal de temps à Lussol au tout début, mais en vrai, ma première expérience d'entraîneur, c'était encore à Strasbourg. Vu que j'allais plus en cours et tout ça, bah je m'étais porté volontaire pour entraîner bénévolement et tout le groupe compète. Donc ça, c'était une première approche qui était plutôt pas mal. Et donc ouais, après j'ai coupé pendant peut-être 1 an, 2 ans, enfin ouais, 1 an et demi. Et ouais, je suis revenu à Vaugnuray. Et écoute, j'ai été plutôt bien formé dans mon club, puisque les organismes de formation, c'était pas trop ça. Mais écoute, non, mon club m'a plutôt bien formé. Et voilà, quoi. Du coup, après, j'ai pu entraîner au Lyon Plongeon Club. Et maintenant, je suis à Monaco. Donc, tout se passe bien. Ça va, Tout se passe très bien. Ouais, écoute, hein, Monaco, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. On va pas se le cacher, le sud, le soleil, tout ça. et là, avec le Covid et tout, bon, là, tu disais que tu étais à contact, mais même en général, vous pouvez vous entraîner ou est-ce que c'est complètement arrêté? non, écoute, nous, on a un groupe compète de 7 personnes. On peut s'entraîner. Bon, après, il y a des blessés un peu, donc on fait en fonction. Donc le Covid plus les blessures, c'est pas ouf, mais bon. On essaye de faire avec ce qu'on a et on a plutôt pas mal d'heures d'entraînement. Je crois qu'on a environ 20 heures par semaine. Ah ouais, Donc c'est c'est pas mal. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on délaisse un petit peu les loisirs et ça, enfin, c'est l'avenir de demain, donc c'est un petit peu compliqué, quoi. ouais. Bah, On peut maintenir un certain niveau, tout ça, mais bon, au bout d'un moment, il y aura plus personne qui va suivre, donc c'est c'est ça. un petit peu triste. C'est un peu le problème partout. Enfin, je vois même à Lyon, il n'y a pas de loisirs, personne ne peut s'entraîner, donc c'est un peu galère. Et aussi, l'année dernière, en février, tu as fait tes premiers France avec Monaco. Ouais. Amener plein de médailles et tout, c'était cool. Genre, c'était comment cette première, enfin, tu vois, tu es le premier France avec Monaco en tant que, enfin, voilà, entraîneur en chef de Monaco, quoi. Ouais. Bah écoute, non, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Du coup, c'était tout moi qui dirigeais un petit peu, tu vois. Mais non, pas mal de plaisir, pas mal de pression aussi. J'avais un peu du mal à dormir toutes les nuits. Je m'endormais à 4 heures du mat alors qu'on avait réveil à 6 heures pour aller à l'entraînement. Tandis. C'était un peu chaud, mais non, écoute, j'ai plutôt bien aimé ça. Et de toute façon, les compètes, j'ai l'impression que je suis toujours autant concerné que le plongeur par la compétition, quoi. Donc c'est que du plus, quoi. Que du plus. J'ai l'impression que enfin, comme quand je plongeais à l'époque, quoi. C'est vraiment pas mal. Et bon, avant que le Covid, vous alliez faire des compètes internes, c'est ça? Vous deviez aller en Finlande ou je sais pas. Ouais, on devait aller à Helsinki et j'arrive le matin
au bureau et là on me passe un coup de fil, bon bah non, demain tu pars pas, on annule tous les billets, tout le trajet, voilà. Ouais. C'était parce qu'on avait une escale à Amsterdam et que bah si on sortait de l'avion, vu que c'était un pays en zone rouge, on pouvait pas re-rentrer en Finlande après. Enfin, je sais plus, il y avait une histoire un peu des magouilles, de façon des magouilles de Covid. C'est un peu compliqué. Ouais. Et là, bon, bah, même avec le Covid et tout, avec Monaco, t'as quoi comme objectif? Enfin, si t'en as déjà un peu placé avec tes plongeurs ou même toi, des objectifs perso? Bah moi déjà, premier objectif perso, je suis venu pour redévelopper un petit peu pas le club, mais le plongeon en général, quoi. Donc du moment qu'il y aura des gens qui vont être intéressés par la discipline, que ça soit loisir ou compète, je vais foncer, quoi. C'est dommage de donner du crédit qu'à ceux qui veulent faire de la compétition et tout ça, parce que c'est justement les loisirs qui font vivre un peu la compète. Donc voilà. Ok. C'est vachement redévelopper le club et enfin le plongeon qui meurt un petit peu chaque année de plus en plus. Ouais. Et voilà, bon là avec le Covid c'est encore plus compliqué, mais bon, on essaye quoi, on essaye. Faire les lives un peu pour bah, reconnecter le monde du plongeon et tout, et puis ben promouvoir un peu Ouais son bah passion. c'est pas mal, hein. Bonne initiative, hein. Très très bien. Et Il y avait pas mal de bons plongeurs, d'anciens bons plongeurs et tout. Audrey Labo, c'était pas mal. ouais, bah là j'essaie de refaire avec pas mal d'anciens plongeurs ou de comme toi qui sont devenus entraîneurs, choses comme ça, parce que c'est ouais, c'est intéressant. Et aussi, tu mets plein de vidéos en cliff diving et tout, tu kiffes un peu? Ouais. Ouais, disons que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu passionné, tu vois, et ça donne pas mal d'adrénaline, pas mal de stress. Tu sais jamais si tu vas bien t'en sortir ou pas. Mais non, écoute, j'ai une petite idée dans le coin de ma tête là d'essayer de monter une série à 27 et pourquoi pas un jour faire une compète. Ça serait le must. Je dis pas que je voudrais faire tout le circuit sur un an, Ouais. mais ouais non, pourquoi pas essayer de ouais faire une petite compète, quatre petits plongeons, et voilà quoi. Je pense que ça pourrait être pas mal. Après, Ouais. à eux de me donner aussi l'opportunité de le faire quoi. Il y a des bons spots à 27 mètres là-bas. Et merci Alex, merci pour toi et petit cœur sur toi aussi. Non, écoute, dans le sud là, il y a pas mal de spots. Après, c'est moins haut que 27. Là, on a un spot à 16-17 mètres, pas Ouais. loin de Nice. Après, l'été, je te cache pas, là, l'année dernière, juste après l'appendicite, je suis allé sauter à Cassis. Là, il y a pas mal de spots. On a sauté, on a commencé tout doux, parce que je t'avoue que je pouvais pas trop plonger. On a commencé à 13 mètres. Ouais. On est allé aux 20 mètres en face. Et voilà, quoi. On a tenté deux, trois petits spots, mais ouais, rien de bien plus fou que 20 mètres, quoi. Rien de bien plus fou. Et ouais, chaque année, on va essayer de prendre quelques mètres et de prendre quelques saltos, quelques vrilles, tout le Et t'as pas tralala, quoi. Bah, en vrai, je sais pas, je me pose pas trop la question de savoir si j'ai peur ou pas. Je me dis que je vois ce que je fais, parce que je dois faire, je le vois, je l'ai dans ma tête. Donc, si je l'ai dans ma tête, ça peut que bien se passer, en l'air, quoi. Bon, on n'est jamais à l'abri d'un loupé, hein, mais, Ouais. c'est les risques, hein. C'est les risques du métier, quoi. C'est bien, hein. Franchement, moi j'attends les vidéos, hein. Ah ouais, non, bah là cet été, on va essayer de charbonner un petit peu et je prépare peut-être quelques surprises, mais on ne sait pas si ça va réussir, quoi. Bon, en tout cas. Ouais, bah j'espère. Bon bah merci. Maintenant j'ai les questions, tu sais, un peu fun où là, tu vois, je dois. Ah En vrai, ça va, il n'y a oui. rien de. Rien de ouf. Est-ce que tu peux me donner ton film préféré? Oh purée, mais alors ça je sais pas, j'en ai pas mal. Salut Louise. Un des plus tordus, j'aime bien Snatch. Sinon en comique, j'aime bien l'humour français, donc c'est Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Il est top. Classique. Ouais, classique. Préféré. Ou une que tu as regardée De récemment. quoi? Ta série préférée ou que tu as regardée Ah, récemment? série, ah, bah, là, c'est Breaking Bad. Breaking Bad, je l'ai regardé en français, anglais sous-titré français, anglais sous-titré anglais, je l'ai regardé peut-être une dizaine de fois, je sais pas. Là, je trouve plus rien et je me remets Breaking Bad en boucle, en boucle. C'est Non, bien. ça allait vraiment, vraiment bien.
C'est bien. Ton parfum de glace préféré? Oula, ouais, je sais pas, je crois que classique, hein. Vanille, mais après, si j'en ai le droit à plusieurs, c'est plus des trucs fruités, acidulés, Genre sorbet un peu et genre tout. framboise et tout. C'est bien. J'aime bien ça. Ton chanteur ou groupe préféré? Oula! Ah ouais, Ah, moi, je suis une préféré, groupie, donc, Nico. ah là, je suis une groupie, donc c'est un peu compliqué, en connu, j'ai Damso. Damso, ouais, franchement, c'est la base. Et sinon, en pas trop connu et qui vient de sortir un album, c'est Hugo TSR. Voilà. Et pour l'instant, ouais, il y a que du rap. Après, j'écoute un peu de tout, hein. J'aime bien écouter des T'as du conneries et tout, ouais, non, enfin, tous les sons de rap un peu et sinon un peu tout ce qui est années 80, ça c'est pas mal, j'aime bien. En soirée, ça passe tout le temps, hein. Ouais, bah ouais, c'est la base, c'est classique. C'est bien. Ça fait rire tout le monde, ça enjaille tout le monde, c'est pas mal. Ton repas préféré ou genre ton snack ou truc que tu préfères manger? Ah ouais, repas préféré, je sais pas, j'en ai pas mal. À cause de viande? Ouais, les tacos, franchement, c'est assez classique. C'est vraiment classique. J'avoue que j'en trouve plus trop ici, à part les hot tacos ou les trucs comme ça, mais bon, Parce qu'il y a mieux. c'est pas assez fou. Non, sinon, en vrai repas, écoute, des spaghettis chorizo, hein, ça c'est vraiment classique. Ou sinon, t'as le bœuf bourguignon, je suis fan. Bœuf C'est bourguignon et pâte au chorizo. Ah ouais, trop bon. Et enfin, le ou la ville que t'as préférée. La ville que j'ai préférée, Ou pays. écoute, l'Allemagne, j'ai trouvé ça pas mal. Dresde, en fait, j'y suis allé vraiment beaucoup de fois. Et c'est, enfin, vu que je la connais bien, la ville, enfin, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Après, c'est sûr que t'as les plus grosses villes comme Barcelone et tout ça qui sont vraiment sympas. J'avoue que Barcelone aussi, c'était pas mal. Barcelone, c'est pas mal. Ouais, on va pas se le cacher. Il y a l'opportunité de faire pas mal de choses, de s'éclipser un petit peu et d'aller faire un peu la fête. Voilà. Non, non, sinon, ouais, pas mal Dresde, hein, vu que j'y suis allé pas mal de fois. Ça reste un classique. C'est bien, c'est bien. Mais ouais, là, je vois les commentaires. Lyon, j'avoue que ça reste la base aussi, hein. On va pas Gwen, se le cacher. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire à Lyon. c'est vrai. Gwen, il a dit un homme, Nico. En vrai, c'est vrai, hein. Ah T'exprimes bien et tout, hyper mature, Nico. Je suis trop fier de toi. ouais, je suis pas sûr moi, mais bon. Non, non, mais ouais, il me le répète assez souvent là en ce moment. Il me dit ouais, je suis devenu quelqu'un de bien et tout. Mais bon. Non, mais c'est bien. Moi, je suis contente pour C'est toi. les autres qui doivent me dire, c'est pas moi. Exactement. Voilà. Et deux trucs, et tu me dis du tac au tac, tu choisis un des deux. Oh putain, ouais. Frites ou potatoes? Potatoes. Thé ou café? Café. L'OL ou l'AS Monaco? Noël, hein, je t'avoue que j'ai acheté des maillots et que je les ai fait floquer Olympique 69 et tout, Fekir 69. Donc, Très bien. l'OL. Tarte ou gâteau? Les deux. Je mange beaucoup. J'aime bien manger. Ok. De Chien ou chat? quoi? Chien ou chat? Ah, chat. Chat, chien, c'est pas. Non, chien, c'est pas possible. Enfin, c'est sympa, hein, mais Grézieux je la vache, préfère les chats. ignorer. Ah, Grézieux, j'ai élevé. Franchement, j'ai élevé, c'est la base. Vas On pas nous peut faire pas. J'ai élevé. un je sais pas quoi. Ah, si, 6, 9. Attends. 6, 9, 2, 9, 0. Voilà, c'est le code postal, c'est un Celui-là, peu signe de gang, tu vois. fondue ou raclette? Raclette. Et plonger ou entraîner? Ah ouais, là, Au jockey. tu m'as posé une colle. Ouais, peut-être plus entraîné maintenant, plus entraîné. Disons que c'est beaucoup moins de mon ressort, du coup, ça me procure peut-être plus de sensations, quoi. Très bien. Voilà. T'as vu ce qu'il a dit, Thierry? Perso, ça n'a pas toujours été facile avec le petit Nico, mais fier de ce qu'il est devenu. Ah, merci. Ah, c'est le sensei. Alex, je suis d'accord que la fondue c'est bon, mais moi je suis raclette. Ouais, non, la raclette, c'est meilleur. Ouais, avec pommes de Surtout terre et tout. quand tu mets un peu de rosette de Lyon dedans.
Trop bon. Hein. Et là, j'ai les dernières questions, c'est les scénarios un peu improbables ou des questions cheloues. Là, tu as le droit de prendre ton temps pour répondre. Si tu prends un tube de colle liquide, pourquoi la colle, Ouais. elle colle pas à l'intérieur du tube? Oula, ouais, je sais pas, mais ça c'est des questions. Il y a beaucoup Waouh. de... Même moi, j'ai Ah, pas faut de réponse. s'accrocher. Ah non, je sais pas, bah parce que faut que ça soit en contact avec de l'air, je pense. Ok. De toute façon, c'est... Peut-être. Yanso, il a dit Ah, ma... peut-être, je pense que c'est ça. Attends, je t'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Ah Yanso... ouais, j'ai vu. Mais non, t'inquiète, t'inquiète, Chanso. Faut Je que... laisse un peu pousser, après je vais pouvoir faire plusieurs couettes. Ensuite, est-ce que tu penses que les pingouins, ils ont des genoux? Je crois que ouais, les pingouins, ils ont des genoux. Attends, c'est... Il y a soit les pingouins qui ont des genoux, soit les manchots, mais un des deux ont des genoux. Ok. Je sais plus lesquels. Non, mais il me semble... La question importante, pourquoi un demi de bière, c'est 25 centilitres et c'est pas un demi-litre? Je sais pas. Après, je t'avoue que tout dépend dans quel pays tu vas. Hein. Quand je suis allé aux Pays-Bas, j'ai demandé une grande bière. On m'a filé une bière à 1,5 litre. Donc voilà. Non, ça dépend. Ça Très bien. dépend. Tu penses que c'était l'œuf ou la poule en premier? Bonne question. Moi, je pense que c'était une poule chelou qui a fait que elle a sorti un truc bizarre. Voilà quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. On sait Et pas. enfin, Hein. dernière question. Si je te dis que je paye ton prochain voyage, tu vas où? Ça dépend, c'est un voyage pourquoi? Tout ce que tu veux. Je te paye ton prochain voyage. Enfin, pas Bah, vraiment. vu qu'on aime bien le soleil, je t'avoue que les Canaries, c'est vraiment le feu. Les Canaries, ouais, c'était vraiment bien. Y a une île que tu as préférée Grand ou... soleil, les vagues, l'océan, pas mal. T'as dit quoi? T'as fait une île en particulier ou t'en as fait plusieurs? Attends, c'était où? C'était peut-être Fuerteventura, je sais plus. Ouais, je crois que c'était Fuerteventura. Je sais plus du tout. Mais c'était pas mal. Moi, j'avais fait Lanzarote et tout, j'avais kiffé. C'était Ah ouais, non, ouais, je confondais entre Lanzarote et Fuerteventura, mais ouais. Non, c'était Fuerteventura. Lanzarote, j'ai jamais fait. parti avec Gwen et sa famille. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sa première année, juste... Il y avait la mère de Gwendal, ma mère et moi. Et après, la deuxième année, on était partis, il y avait vraiment plus de monde. Parce que vu que la première, c'était vraiment bien, tout le monde avait voulu venir et tout. C'était pas mal. T'avais lancé un truc. Ouais. Ok. Bon, bah là, j'ai plus de questions pour toi. Je sais pas si toi, tu as des questions. Tu veux répondre aux questions des gens, s'il y en a qui. Non, écoute, Dans les... moi juste savoir comment ça se passe un peu aux États-Unis, si c'est un peu différent de ce que tu entends parler en France ou Bah quoi là, que ce soit, quoi. tu veux dire par rapport au Covid, choses comme ça? Ouais. Ouais, bah là, nous, on peut s'entraîner entièrement. Tout le monde peut s'entraîner. On a repris les compètes. C'est Ah juste ouais, c'est bien. que la saison elle a été décalée. En fait, normalement, on commence en septembre. Bah là, on a commencé en janvier. Mais Ouais. on va avoir les compètes, on a les championnats, tout est ouvert, les bars, les... Voilà. Ah ouais, ah oui, ouais, c'est pas Après, mal. c'est full, c'est Ouais, ouf. c'était vraiment dommage ici. Et même les petits, ils peuvent s'entraîner, genre il n'y a pas d'âge ou Non, par contre, pas de les restrictions. compliqué. Enfin, genre, en gros, il y a plus de restrictions, mais ils peuvent quand même s'entraîner, quoi. Ok. Par rapport à, tu vois, les capacités maximales dans les piscines et choses comme ça qui sont mis en place, mais ils peuvent Ok, un âge, ça change rien. ouais, c'est pas mal, ouais. Pas mal. Parce Ouais. que là, on essaie de maintenir un petit peu le loisir. On est obligé de les entraîner à l'extérieur et tout. Donc, c'est un peu plus compliqué. Alex, les compètes, ben, t'as tous les week-ends, c'est genre une école contre une autre école. Donc là, on est genre, je sais pas, on doit être 10. Mais après, ouais, il y a les trucs de conférence et tout. Ils sont genre 30 ans, et il y a les compètes. Hein. Il n'y a juste pas de spectateurs, en fait. 30 Donc, par compète? ouais. Ah, c'est pas mal, ouais, ça fait du monde, hein. Ouais, non, Ça change de il la y a du France. monde. Et... Ah ouais, non, mais c'est clair. Hein. Ça fait bizarre. Hein. Voilà. Quand je leur dis qu'au championnat de France, quand on est 10, c'est la fête, ils sont là, oula. Ah ouais, c'est la fête, hein. C'est vraiment la fête. Parfois, on est 3, 2.
Voilà. Incroyable. C'est vrai. C'est un peu compliqué de temps en temps, mais bon, ça n'enlève rien au résultat que les athlètes font, hein, mais bon. Ah, Thierry, il est inquiet là. Nico, tu m'as peut-être filé Covid. Ah ouais, non, non, normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire, Thierry, t'inquiète pas. Je suis que au cas contact. Pour l'instant, je vais bien et tout. J'ai toussé un peu hier soir, mais ça va. Parfait, tu fais attention alors. Ouais, non, je fais vachement attention, là, j'ai pas le droit de sortir de chez moi jusqu'à mercredi, au moins. Et il faut que je fasse le test, tout le tralala. Voilà. C'est bien, la routine. Ouais, tranquille, hein. Tranquille, la routine. Ok. Bon, encore merci Nico, hein. Franchement, c'était super cool. Bah, pas de souci, hein. Pas de souci, c'était cool pour moi aussi. Et puis, C'est ben, en sympa, espérant ça rassemble les deux. qu'il y ait des compètes cet été pour se voir, quoi. Ouais, on croise les doigts, hein. Ce serait bien de faire des championnats de France à l'extérieur, peut-être, pourquoi pas, ce serait l'occasion. C'est vrai que ouais, ce Mais serait l'excuse de ravoir une piscine à bon. l'extérieur. Ouais. Mais bon, à part nos gens, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, Ouais, ça me paraît Bon. compliqué. On y Mais bon, croit. on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Hein. Ouais, on espère. Hein. On espère. Martin, Enfin, voilà. je t'enverrai un message. Bon, voilà. Ok, bon, bah, merci encore, Nico, hein. Et puis, Bah, pas de souci, hein, pas de souci, on veut merci à des toi. vidéos du cliff diving pour cet été, hein. Ouais, je pense d'ici ouais, juillet, ça devrait le faire. Ok, parfait. J'espère, hein, Bisous. j'espère. Sauf s'il y a des plats, des grosses plaques et tout, Ah mais bah écoute, même si les je suis claques, hein, toujours je veux les vivant, claques. je les mettrai. Non, ouais, même si je suis toujours vivant, les claques, je les mettrai. Parfait. Donc voilà. On aura Ok. quelques petites vidéos. Ça marche. Allez, ciao, Allez, bisous, Nico. ciao. Salut. Ciao, ciao, bisous.